Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux DIY sur le thème du style Disney, et je ne vous en dis pas plus, c'est parti! Pour ce premier DIY, je vous montre comment faire cette veste Mickey. Pour cela, il vous faut des clous, que moi j'ai été chercher dans une mercerie, et une veste en cuir à personnaliser, la mienne vient de chez Primark. La première chose à faire, c'est de choisir votre motif. Moi j'ai choisi de faire Mickey car c'est assez simple. Puis vous positionnez les clous sur la veste, un à un, faites bien attention à ce que ce soit bien symétrique. Et ensuite, on plante les clous dans la veste, et le tour est joué. Pour ce second DIY, je vous propose de faire une chemise customisée sur le thème de Toy Story. C'est un moyen qui peut être utilisé pour tout un tas de choses. Vous pouvez personnaliser ainsi vos sacs, vos vestes, avec du Toy Story et autres. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur les réseaux sociaux pour gagner plusieurs kits avec Zigzag et Woody si jamais vous voulez reproduire la même chemise que moi. Alors pour ça, c'est très simple, il vous faut vos patchs, un fer à repasser et une chemise. La mienne vient de chez AliExpress et je vous mets le lien en barre d'infos. Vous positionnez les éléments à votre convenance sur la chemise, sur le modèle qui vous plaît et ensuite vous repassez dessus à l'envers. Attention, c'est très important, sinon vous allez cramer votre vêtement et ça n'adhérera pas. Donc ce n'est pas la bonne chose à faire, je parle d'expérience. N'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette étape. Et voilà, le tour est joué. Alors vous en pensez quoi la Pixie Army? Pas mal ou pas ce petit look? Nous nous attaquons à présent au dernier DIY puisqu'il s'agit de faire des pompons Mickey sur les chaussures avec un petit air de fée clochette que j'aime beaucoup. Pour ceci, il vous faudra des baskets, une épingle à nourrice, des ciseaux, un stylo, une plaquette de carton, de la laine de la couleur de votre choix. D'abord, vous commencez par tracer deux ronds au stylo. Moi, je les fais à l'arrache parce que j'ai pas de compas, avec un trou au milieu. Vous découpez les deux parties et ensuite, vous les assemblez en mettant le fil de laine tout autour. Vous faites le contour encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace disponible. Une fois que vous avez rempli tout le trou de laine, vous faites un nœud pour fermer votre pompon. Vous devez reproduire l'expérience 3 fois, sachant qu'il y a un des 3 pompons qui doit être plus gros que les autres pour faire la tête de Mickey. Avant de découper les côtés, vous veillez bien à ce qu'il y ait un fil qui passe dans le trou, c'est très 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 important. Et quand vous avez découpé tous les bords, vous pensez également à tout attacher avec un long fil, cela va vous permettre de relier les 3 parties entre elles. Une fois que c'est fait, il vous suffit juste d'arranger les choses de façon à ce qu'il y ait une disposition avec 2 oreilles et le corps. Vous mettez l'épingle à nourrice au niveau du fil et vous arrangez ça directement sur la chaussure et le tour est joué. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo 3 DIY style Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air afin de me signifier que vous avez aimé et que vous aimeriez plus de vidéos DIY sur la chaîne, et à me dire en commentaire si jamais vous voulez en reproduire un ou si vous-même vous avez de bonnes astuces à nous conseiller. Ça fait toujours plaisir de partager ensemble. Je vous rappelle également que mercredi 5 juillet, il y a un meet-up qui est fait au parc de la Villette. Je vous donnerai toutes les informations en barre d'infos, donc je vous conseille vraiment d'être attentif à ça. N'hésitez pas surtout à m'ajouter sur les réseaux sociaux, que vous soyez au courant s'il y a le moindre changement qui est fait, et à me dire en commentaire si vous venez, car je me représente pas du tout le nombre de personnes qui pourront être présentes à cet événement. Petit changement de programme parce que je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Je pense que chacun va ramener sa nourriture, ce sera plus facile. Et sur ce, ma Pixie Army, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixie Army, je vous aime fort. Bisous, bisous, bisous.